Alors la JPO, donc la journée porte ouverte, c'est un événement assez festif qui permet aux étudiants de montrer leurs travaux aux lycéens qui veulent intégrer la formation. Ça permet bien sûr aux lycéens d'avoir une meilleure image de la formation que celle qu'ils peuvent avoir dans des brochures, en rencontrant les étudiants actuels, en faisant la visite des locaux, en regardant les travaux qui ont été réalisés pendant les deux dernières années. Donc ça permet vraiment d'avoir une expérience, on va dire, concrète et réelle de ce qui se passe dans cette formation. L'avantage en fait de cette formation, c'est que voilà, on a une formation qui est pluridisciplinaire. Donc par exemple, nous avons du web design, du graphisme, du montage audiovisuel, et puis également de la communication. Et en fait, toutes ces matières nous permettent d'avoir une vision globale de ce qu'est le multimédia et nous permettent de connaître les bases dans chaque matière. C'est-à-dire que ici, c'est pour les gens curieux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir développer nos aptitudes artistiques. On va pouvoir faire des projets intéressants comme de l'infographie, on va pouvoir dans le milieu audiovisuel réaliser des courts-métrages, on va pouvoir faire des stratégies de communication en com, on va pouvoir avoir des notions de droit, on va pouvoir avoir des bagages intéressants dans les sciences. C'est l'une des formations les plus polyvalentes, donc c'est, pour moi ça nous ouvre vraiment beaucoup de portes. Plus tard, je sais que je trouverai ma voie parce qu'on m'a proposé beaucoup de chemins et que forcément je vais m'y retrouver là-dedans. Le DUT en trois mots, la voie de la réussite. La journée des anciens, c'est un rendez-vous annuel où tous les anciens mamies sont invités à venir partager leur parcours et leur expérience post-DUT. Donc eux, en tant qu'anciens, ça leur permet de voir un petit peu leurs anciens camarades et...